ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler mode, vous savez que j'adore les fringues. Je vous en présente assez souvent et il y aura de temps en temps, peut-être une fois par mois, une petite vidéo au trésor de Lynn, puisque je suis en partenariat à l'année avec Lynn Micheline, donc qui tient cette boutique qui s'appelle Au Trésor de Lynn, qui est une boutique qui est dans le nord de la France. Elle a également un showroom chez elle, donc pour consulter les horaires du showroom, je vous invite à aller sur sa page Facebook. Et il y a les lives le mardi soir, des fois il y en a l'après-midi, des fois il y a des lives exceptionnels, voilà. Donc je vous invite vraiment à aller vous abonner à la page, comme tous les lives, pour pouvoir avoir les informations, pour avoir, ben voilà, quand il y a les promos, elle poste les photos quand elle va chez les fournisseurs, etc., ce qui vous permet de passer commande en MP. Donc Lynn a créé quelques produits à sa marque avec écrit Au Trésor de Lynn. Il y a des baskets, des pulls, des pantalons, etc. On peut retrouver beaucoup de choses très tendance, aussi bien pour la petite taille, donc la taille dite normale à partir d'un 38, et jusqu'à la belle taille, jusqu'à un 50, 52 voire 56, puisqu'elle propose pas mal de vêtements oversize. Donc le oversize va quasiment jusqu'à un 54, 56 pour certaines pièces. En général, elle présente l'article. Alors elle porte peu les articles, mais elle fait les photos sur sa page. C'est vrai que quand on voit l'article porté, on se rend un peu mieux compte. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en général, quand elle poste les photos des articles, de certains articles qu'elle va mettre sur sa page, eh bien, ça permet de voir un peu ce que ça donne. Et je sais que, voilà, ça sur le live, j'ai vu ça en photo, j'ai repéré ça, ça, ça. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc j'ai fait une sélection sur plusieurs lives. Comme je vous l'ai dit, je suis en partenariat avec Lynn, ce qui ne m'empêche pas eh bien, d'acheter également de mon côté. C'est pas parce que je suis pas en partenariat. Ça fait plus de presque deux ans, je crois, que la boutique existe et que je commande sur cette boutique. Donc maintenant, je crois qu'elle ne fait plus aucun retour parce qu'elle a eu des gros soucis avec les retours. Donc je crois qu'elle ne fait plus de retours. Donc ça, je vous inviterai à aller lire les règlements des lives directement sur sa page. Donc j'ai choisi quelques pièces, principalement des choses colorées. Vous savez que j'adore la couleur. D'ailleurs, ce que je porte aujourd'hui, ça vient de chez Au Trésor de Lynn. Comme ça, ça va vous permettre de les voir les choses portées, parce que je ne vais pas forcément peut-être tout vous porter. Je vous mettrai ici des petites photos, des petites vidéos sur le côté avec les articles portés, avec des idées de tenues portées. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram Valbeauty & Co, où le lien est en barre d'infos. Comme toujours, si vous avez une question, le lien est toujours en barre d'infos. Et pour voir les tenues du jour, puisqu'en général, je poste la tenue du jour tous les jours. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais prendre un cintre et on va commencer déjà avec la tenue que je porte, puisque c'est des choses que vous pouvez retrouver tout le temps. Et d'ailleurs, j'ai repris ce type de pantalon et ce type de pull. Donc, qui sont les pulls magiques et les pantalons magiques. Donc, on va commencer par le pull. Donc, j'en ai repris un. Ils sont à 24€. Alors, il y en a certains avec l'urex et d'autres sans l'urex. Donc, c'est de la marque Laconi. Donc, ils vont jusqu'à une taille 50-52 sans problème. Alors, là, j'en ai pris un orange. Vous savez, ma passion pour le orange et le vert en ce moment. Et c'est un orange foncé. Il est magnifique. Regardez ça. Il est superbe. Donc, au bout des manches, vous voyez, il y a du lurex. Au bout des manches, c'est une maille un peu différente. Il est en col V, un V un peu arrondi. Mais moi, je trouve que c'est assez joli. Voilà, j'en porte un. Il est assez long au niveau de la longueur, donc ça cache assez les fesses, ça cache un peu le bidou, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, il est à 24€, il est en plein de couleurs. J'en ai 8 ou 9, je crois, et j'ai beaucoup de couleurs. Il ne bouge pas à laver. Alors, je vous les conseille de ne pas le mettre au sèche-linge. Vous les mettez à 30 degrés, lavage 30 degrés, ça ne bouge pas, ça sèche super vite. Il n'y a pas besoin de repasser, c'est le rêve. Comme je vous le disais, celui-ci, et je l'ai en bleu canard. Moi, je mets toujours un petit débardeur en dessous parce que je trouve que ça finit. Vous pouvez les porter retroussés comme ça. Moi, je le porte voilà, différentes façons. Vous pouvez leur porter troussé de façon petit pull comme ça. Vous pouvez le porter plus long. Vous pouvez le mettre dans le pantalon. Enfin, voilà, on peut le porter de différentes manières. Et comme je vous le dis, ça va jusqu'au... On est super... Et c'est quand même assez chaud. Voilà. Et je trouve que, vous voyez, ça va quand même... Moi, je fais 1m55 pour rappel.
Mais je les aime beaucoup, ces petits pulls. Je les porte toute l'année. Je les porte aussi bien en printemps-été qu'automne-hiver. Je les porte toute l'année avec différentes manières. Soit vous pouvez les mettre par-dessus une robe aussi, par-dessus une robe longue, avec une chemise en dessous. Enfin, voilà, il y a plein, plein, plein de possibilités de les porter, ces petits pulls. Donc, moi, je les kiffe. Donc, elle en a plein, plein de couleurs. Donc, ça, vous pouvez foncer les yeux fermés. Ensuite, on a les pantalons dits magiques. C'est des pantalons de pantajob ultra extensibles. J'en ai de plein plein de couleurs. C'est pareil, ni sèche-linge, ni repassage. Lavage à 30 degrés. Vous mettez ça sur l'étendoir. Pas besoin de repasser. C'est formidable. Moi, je fais 1,55 m. Je fais 2 à 3 retours dans le bas pour faire un petit peu plus court. Mais vous pouvez les porter sans les retrousser si vous êtes grande. Moi, je kiffe ces pantalons. Ils ont des poches aussi sur l'arrière. Donc, ceux-là, ils sont sans estampille. Mais vous en avez avec une estampille sur la fesse avec écrit LINE, puisqu'elle a créé des pièces à son effigie. Alors, j'ai repris une couleur. J'ai repris un pantajob d'une couleur. Sauf qu'il y a dû avoir un petit loupé, je pense. Donc, ça, j'ai prévenu LINE. Elle va voir avec son fournisseur ce qui s'est passé. En fait, j'avais pris un vert pomme comme ça, un peu vert anis. Alors, il est magnifique. La couleur est sublime. Sauf que je ne rentre pas dedans. Tous mes pantalons magiques, ils vont jusqu'à un 52, sans problème. C'est très extensible. Celui-ci, malgré qu'il soit ultra extensible, je ne rentre pas mon ventre dedans. Ça ne rentre pas. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus petit que ceux que j'ai. Donc, ils vont jusqu'à un 44-46 maximum. Donc, je pense qu'il a dû avoir un loupé au niveau de son fournisseur. Vous avez une autre d'entre vous, pareil, m'a dit le même problème, donc elle va remonter l'information. Donc après, si vous avez eu le problème, je vous invite à contacter LINE pour savoir ce qu'il en est. Donc ceux-là, ils sont à 25 euros. Les pantalons comme ça, les pantalons magiques, ils sont géniaux. Franchement, donc celui-ci, je ne vais pas le garder. Mais ils sont géniaux, je vous les conseille à 10 000%. Là, j'en ai un, j'en ai un autre sous la main. Vous voyez, j'en ai un qui est un peu rose pétant. Donc, voyez la différence de taille. Donc, voilà, même là, au niveau des cuisses, on voit bien la différence au niveau de la taille. Vous voyez la différence au niveau de la taille. Donc, je pense qu'il y a eu un loupé, soit dans sa commande qu'elle a demandé au fournisseur. Il y a dû avoir un loupé quelque part. Mais bon, ça, c'est pas bien grave. Voilà, vous pouvez, quand c'est comme ça, vous pouvez retourner la marchandise quand il y a un souci comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris un petit genre de short que je vais peut-être porter même comme ça, je ne sais pas encore, qui était à 5 euros, je crois. Donc, il est en 100%, il est en polyester. C'est fabriqué en France. C'est du made in France. C'est un petit shorty, c'est un. Ouais, c'est un petit shorty tout simplement. Donc, au niveau de la taille, on est bon. Alors, moi, je l'ai pris pour porter sous mes petites robes pour cet été. Parce que j'ai des petites robes bleues, etc. J'avais pas envie de mettre un. Et même ça, porter avec un t-shirt, ça peut être très sympa. Il m'a pas l'air trop, trop transparent. Donc, ouais, si, quand même. Ça. Mais ça, c'est pour porter en dessous. Vous voyez, c'est pour porter en dessous. Donc, ça, à 5 euros, c'est top. Voilà. Ça, on valide. Alors, ensuite, j'ai pris un t-shirt. Donc, ça, c'est de la marque New Collection. Je vous donne les marques, comme ça vous permet de voir un petit peu qu'il y a un sacré échantillonnage de marque, à savoir que tout ce qui est grande taille en général, c'est Carla Giannini, New Collection, Valérie Moda, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, enfin, il y a plein 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 de marques, donc j'aime beaucoup ce type de marque. Donc là, j'ai pris un t-shirt pareil, oversize, donc il va jusqu'à un bon 50, 52, ouais. Et je l'ai pris pour aller avec un pantalon que j'ai, qui est rose fluo. Que je vous ai présenté dans un dernier haul, le spécial live, et il y a écrit Peace avec des fleurs. Alors, ça rend pas justice parce que c'est vraiment fluo, hein. C'est vraiment très fluo. Il a un col rond, mais c'est un col rond très grand, donc voilà ce qui permet d'avoir quand même quelque chose d'aéré. Donc, il est très joli. Je vous ferai mettre ici une petite tenue que j'ai concoctée avec. Il est un petit peu plus court sur le devant que sur l'arrière. Vous voyez, il est un peu plus court sur le devant que sur l'arrière. Donc, soit vous le mettez avec un rouleau si c'est trop court pour vous devant, avec un rouleau par exemple rose fluo, ça peut être très sympa sur un pantalon blanc avec une tenue toute blanche par exemple. Donc, je vous ferai une petite tenue de toute façon ici avec, comme ça vous permettra de voir un peu à quoi ça correspond. Donc, c'est floqué dedans,
Voilà, c'est tout floqué dedans. Et celui-ci, il était à 17 euros. Donc franchement, il n'était pas cher du tout. 17 euros. Donc, et je pense que c'est du 100% coton. Ça m'a l'air d'être du 100% coton, je pense. 100% coton. Voilà, donc ça, nickel. Donc je vous ferai la petite tenue, hein, comme je vous l'ai dit. Je vous mettrai ça sur le côté. Ensuite, j'ai pris, alors comme vous savez, je suis en amour sur ces t-shirts-là. Et là, Lynn les faisait avec une forme différente, avec une coupe différente et en matière différente. Donc, du coup, il est à 25 euros. Donc là, c'est de la marque Carla Giannini, il me semble. Hein. Vu l'étiquette, il est bleu ciel avec, c'est vraiment la maille t-shirt. Là, c'est pas la maille des autres que j'ai. C'est vraiment la maille t-shirt. Alors, il est magnifique. Avec les baskets, avec plein de strass. Et pareil, il est plus court devant que derrière. Donc là, j'ai fait une petite photo parce que je l'ai porté avec mon pantalon léopard. Je kiffe. Franchement, il est superbe. Et avec ça, porté, ce que je vais vous montrer juste après, ça va être tip top. Ça va me faire une tenue mouille. Trop bien. Magnifique, super qualité le t-shirt. C'est on a l'impression qu'il fait même couleur jean. Il est bleu ciel, mais... il fait un peu délavé sur les... J'aime beaucoup la couleur. Ça, c'est pareil, je valide à 10 000%. C'est une super belle pièce. Donc, je vous disais, les choses que je mets au pied avec cette petite tenue-là, avec le pantalon léopard, etc. Eh bien, c'est ça. Elles sont magnifiques. Franchement, sublimes les baskets. Donc, elles étaient à 25 euros. Donc, j'ai pris ma taille en 38. C'est la taille parfaite. Et elles sont un petit peu lourdes, par contre. Mais elles sont, vous voyez, toutes crantées comme ceci. Et elles ont l'effet jean, en jean, et elles sont toutes effilochées. Elles sont sublimes. Franchement, elles sont magnifiques. Donc ça, avec la petite tenue, je vous ferai la tenue juste à côté, ici. Avec franchement, magnifique. Même avec un jean basique, avec un pantalon noir, un pantalon blanc. Voilà, petit pantalon blanc, petit... Ouais, top. Ça, je vous les recommande, elles sont vraiment géniales. Vous avez des chaussures, Lynn, propose des chaussures, des sacs à main, des accessoires, des bijoux. Il y a même des senteurs, il y a du parfum. Enfin, on peut retrouver plein de choses sur ce live. Ensuite, j'ai pris un pantacourt, ouais, un short. Façon jean. Alors celui-ci, je dirais qu'il va jusqu'à un 48 max, petit 46. Alors petit 48 si vous n'avez pas de hanches et pas de fesses comme moi, et je dirais un 46 si vous avez des fesses et des hanches. Donc c'est un pantacourt en jean avec de la dentelle et de la broderie. Alors vous avez le short comme ceci avec différents empiècements et vous avez ici, bon, vous pouvez le mettre en pantacourt simple, mais le but c'est de voir la broderie qui est en bas sur le... Donc celui-ci, pareil, je rentre dedans nickel. Bon, sur le devant, vous avez plusieurs empiècements. Vous avez cette poche-là qui est en broderie. Et ici aussi, le petit lacet pour resserrer. Et sur l'arrière, on a une poche qui est en broderie. Voilà, il est magnifique. Donc lui, il était à... il était à 32 euros. Voilà. Et il est super. Donc ça... Avec un petit t-shirt blanc, avec un t-shirt blanc, ça va être très sympa. Ou quelque chose avec du doré, parce qu'il y a un petit peu de lurex doré, vous voyez, ici. Si on voit, voilà. Vous voyez, il y a un petit peu de brillant ici. Donc ça, parfait. Ensuite, un pantalon. Alors, je suis dégoûtée parce que je ne rentre pas dedans. Donc, c'est un XL. Alors, je pense que le XL, il va jusqu'au 46 maximum. Il va pas jusqu'à un 48. Donc celui-ci, il était à 42 euros et pourtant il est magnifique, je suis vraiment dégoûtée, il est vraiment magnifique. Donc sur l'arrière, on a une fausse poche, donc c'est un pantajog, il est magnifique, je suis vraiment dégoûtée de ne pas pouvoir entrer dedans. Oui, j'en ai déjà un léopard, mais c'était pas le même léopard les filles, c'était pas le même. Alors sur tout le côté, on a un liseré ici en genre de soie, sur tout le côté et les poches aussi. Et il est fermé par un lien. Sur le bas, on peut le faire en retroussé sans problème. Je suis dégoûtée parce qu'il était vraiment trop beau. Je suis vraiment dégoûtée parce qu'il était vraiment trop beau. Mais je ne rentre pas dedans. Donc je dirais que celui-ci, max 46 et pas un 48. Donc, et vous savez que j'ai testé les blazers. Donc je me suis dit, pourquoi pas en prendre un autre d'une autre couleur. Comme j'adore l'orange en ce moment, eh bien, je me suis pris un orange. Alors, il pète, hein, je dois vous le dire, il pète. Lui, il était à 23 euros. Alors,
Par contre, celui-ci, on peut le retrousser aussi également. Il a des poches aussi. Il est fait un effet col châle sur le devant. Bon, ça, je vais pouvoir vous le porter. Voilà, donc ce que ça donne. Donc moi, bien sûr, manche remontée. Hein. Vous connaissez les petites poches. Il est un peu moins long que celui que j'ai, je pense. Moi, il est un petit peu moins long, il est un peu plus court. Mais même avec le bleu là que je porte, c'est le bleu et l'orange, ça se marie très bien aussi, le vert et l'orange. Voilà, petit blazer, sympa. Je pense que je vous ferai une petite tenue avec un petit t-shirt blanc, pantalon blanc. Donc vous verrez ça sur le côté ici, comment je vais l'associer. Mais il est très très bien. Donc celui-ci, je dirais jusqu'à ouvert, jusqu'à un bon 50. Fermé, si vous voulez vraiment plus près du corps, je dirais jusqu'à un 48, 46, 48 max. Mais sinon, au niveau de la stature, moi je fais un 50-52 en haut, au niveau de la stature, voilà, c'est parfait. Donc encore une fois, ravie bah, de mes articles, comme vous le voyez tous les jours si vous me suivez sur Instagram et dans les vlogs, hein, vous avez vu que c'est des produits que je porte depuis plusieurs années, qui ne bougent pas, voilà, c'est de la qualité au niveau des produits. Je suis juste dégoûtée pour le pantalon, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment trop petit, qui vraiment, voilà, c'est un XL. Il y aurait eu un XXL, je pense que ça aurait été beaucoup mieux, mais là, le XL, non, je rentre pas dedans. Donc, bah, je le garderai pas, tant pis, tant pis, tant pis. Mais bon, il était vraiment très joli et de très, très bonne qualité. Voilà, comme vous l'avez vu, j'adore tout. Je vous laisse, je vous mets en barre d'infos les liens de la boutique live, enfin de la page Facebook de Au Trésor de Lynn. N'hésitez pas à aller vous abonner pour ne rien louper. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre le mardi soir sur les lives. Et puis, vous avez sa page Instagram, etc. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner et puis à faire du shopping. Et ce qui est avantageux, c'est que voilà, il y a de la belle taille pour des choses très tendances, de la belle taille, des choses très originales. Moi, j'aime les choses assez originales aussi. Et voilà, j'aime beaucoup cette boutique également. Donc, comme vous le savez, je consomme du live et j'adore ça. Je trouve qu'on passe toujours un très bon moment et on rigole bien, etc. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser soit directement à Lynn, soit directement en barre d'infos, en commentaire. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!